Christine Bravo est atteinte d'une discopathie, ce qui la contraint à s'éloigner de l'émission « Les grosses têtes ». Pour se rétablir, elle s'est réfugiée en Corse. Son absence prolongée de l'émission sur RTL a été remarquée par les auditeurs ces dernières semaines. En effet, un problème de santé sérieux l'a obligée à rester alitée pendant plusieurs mois. En effet, la journaliste est atteinte de discopathie, une maladie qui touche les disques intervertébraux de la colonne vertébrale. Cette affection a provoqué une hernie discale et des douleurs sévères, l'obligeant à rester immobilisée, comme le souligne ici Paris. Christine Bravo, qui a été financièrement ruinée par sa péniche, a dû subir une infiltration et porter une ceinture ainsi qu'un corset en ferraille pendant plusieurs mois. Cette période a été éprouvante pour l'animatrice, laquelle a également pris 10 kilos en raison de son manque d'activité. Fort heureusement, Christine Bravo commence à se remettre. Elle est retournée en Corse afin de poursuivre sa convalescence dans un environnement plus calme et reposant. Sur l'île de beauté, on ne ressent aucune pression. Les autorités n'interfèrent pas avec le quotidien, personne ne klaxonne, personne ne crie, le civisme est ancré dans les gènes des familles. Vous ne dérangez personne et personne ne vous dérange. Il y a une tolérance. Je découvre enfin l'harmonie, a-t-elle déclaré.